Et salut à tous et bienvenue, je suis Link Le Guise pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Tomb Raider, de Shadow of the Tomb Raider. On se retrouve là où on s'est quitté la dernière fois, j'ai pas bougé, alors j'ai fait un petit peu le tour de la zone pour que vous récupérez du matos, etc. Je suis allé un petit peu partout et j'ai toujours pas assez pour me fabriquer la cape, donc on verra ça plus tard. Mais bon, c'est pas bien grave, en attendant... Objectif par là-bas. Objectif par là-bas, donc allons-y. Je vais passer par ici. Tu m'aides ? Allez, petit coup de main, pépère. On passe. Et on est bon. C'est quoi, c'est un village qui est devant ? Tu vois ? Ça doit être Kouakiaku. Essayons de descendre pour savoir ouais, ce qui c'est un village vite fait quoi. Par contre, si on se refaisait des flèches, ce serait pas mal, non? Voilà, 24 c'est mieux. C'est du genre beaucoup mieux. T'es sûr que c'est le chemin? Allez, reste près de moi. Bah évidemment que c'est pas le chemin. C'est un bon chemin. Évidemment que c'est pas du tout le bon chemin. Je veux dire. On y est presque. On y est presque. J'ai déjà entendu ça. À quel moment tu te dis que passer par là c'est le bon chemin? Enfin, je sais pas. Non, je te tiens. Ça va aller. Ça va. Ouais, ouais, ça va nickel. Quelque part. Ok. Tout va bien? Ça va, je gère. Bon. Il arrive dans un truc en ruine, il semblerait. D'après toi, qui a bâti tout ça? Peut-être bien les Incas. Un monolithe découvert. Les lois de l'hydraulique. C'est quoi, c'est ça, un monolithe? Ouais. Monnaie de Quechua intermédiaire, améliorez votre savoir ancien pour déchiffrer le monolithe. On pourrait d'accord. Bon, bah tant pis du coup. Peut-être. Qu'est-ce qu'on a ici? Du loot. Ah bah justement, du Quechua. Oh attendez, il y a un truc là. Monolithe débloqué, savoir antique, vous pouvez désormais déchiffrer les monolithes intermédiaires. Bah voilà, bah justement. Comme quoi j'ai bien fait de faire la crypte hein. Puisque si je ne l'avais pas faite, on n'aurait pas pu. Je pense qu'on n'aurait pas eu assez pour déchiffrer ce machin. Du coup, bah c'est un intermédiaire, fous-toi pas de moi. Ça décrit quelque chose de proche. Deux serpents gardent la vie et la mort. Je suis pris au piège dans leur lutte éternelle. Trésor du passé. Indice de monolithe découvert, c'est-à-dire. Monolithe de serpent, je suis pris au piège. Ah, ça veut dire que dans la zone là, il y a un truc à chercher? Tu vois? J'avais su que je passerais autant de temps dans la jungle. J'aurais ça parle de serpent. Où j'étais chez les scouts. T'aimais pas ça? Eh ben, vu la situation de ma famille, on faisait pas beaucoup d'activités comme ça. Bon, on va déjà essayer d'avancer pour voir ce qu'il y a en face. Des trucs détruits. Ok, ça va falloir que je tire une flèche là-dessus. Là, il y a une caisse. Et toi? T'as jamais été chez les scouts ou fait des camps de vacances? Être en pension, ça compte? Je sais pas, d'après toi. Sans doute que non. Mais Ross m'a appris les bases. J'ai toujours préféré la compagnie des adultes, de toute façon. Ouais. Il me manque. Moi aussi. Alors désolé, hein, je l'ai laissé parler, mais je veux aussi voir si je trouve le machin des serpents, j'ai pas tout compris. Sans Ellie, ton bras devrait guérir rapidement. Ouais, je me sens déjà beaucoup mieux. Ouais, mais je suis plus du tout dans la zone là. Ah oui, je suis genre pas du tout dans la zone du tout. Par contre, il y a une cache à récupérer. Ah, c'était très nul comme saut. Une cache à récupérer. Oh là là. Oh.
Ce courant nul. Le courant sélectif. D'après toi, qui mais son deck. Du coup, faut que je le refasse. Non, c'est bon. Faut pas que je refasse. Cela dit, ça m'intrigue ce machin là. Alors, ça dit quoi exactement que je lise bien? Alors, deux serpents gardent la vie et la mort. Je suis pris au piège dans leur étreinte éternelle. Ils maîtrisaient les lois de l'hydraulique. Deux serpents, la vie et la mort. Étreinte éternelle, tout ça, tout ça. Le pont est abaissé. On pourrait peut-être le remonter avec ces. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être. T'as rien. Non, là y a rien. Donc y a un truc à regarder en dessous, ce qui m'étonnerait. Sinon c'est pas bien grave, hein. Très clairement ça m'empêchera pas de dormir. Non, les... ça va là, hein. Je vais pas vous le cacher. Non, y a rien là. Oh bah, cette eau-là est la fameuse cache. Tu veux essayer? Je crois que je vais plutôt me contenter des bouteilles d'eau qu'on a trouvées dans l'avion. Je veux bien juste pour... C'est bien ce que je pensais. Si j'avais su que je passerais autant de temps dans la jungle, c'est bien ce que je pensais. Pendant l'année où j'étais chez les scouts. T'aimais pas ça? Eh ben, vu la situation de ma famille, on faisait pas beaucoup d'activités comme ça. Oui, en fait, j'essaie de. En fait, je fais plusieurs trucs à la fois là. C'est que. D'une, j'essaie de voir globalement comment il va falloir avancer. Ah, bah là, les serpents! Ah, j'avais même pas fait gaffe en fait. Ah, bah oui! J'avais même pas fait ça, gaffe. C'est pour moi. Secret de monolithe trouvé. Explorer le monde pour trouver tous les monolithes et découvrir leurs secrets. Bon, de l'XP, du loot et. Et toi, tout plein de bonnes choses. T'as jamais été chez les scouts ou fait des camps de vacances? Être en pension, ça compte? Je sais pas. D'après toi. Ah, est-ce qu'il faudrait pas faire un balancier avec ce machin-là, peut-être? J'ai toujours préféré. Ouais. Il me manque. Moi aussi. Ça fait quoi, ça? C'est trop lourd. Donne-moi un coup de main. Ah, va falloir faire venir de l'eau ici. D'accord. Okay. On va relâcher, doucement. D'accord, donc il va falloir faire venir de l'eau qui vient de là-haut, j'imagine, du coup. Ok. Hey, ça a fait quelque chose. L'eau a l'air de faire fonctionner le pont. Voilà, du coup, maintenant... On va pousser ça. Allez, reviens Michel. Allez, hop, 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 on se dépêche. Ah, pas que ça à faire. Voilà. Parfait. Voyons à quoi servent ces contrepoids. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est pas compliqué. Oh, ah, attends, reviens. Reviens. On va réessayer. Oh, t'es sérieux? Arnaque. Arnaque. Allez. Allez, on pousse. Très
je dois lâcher, désolé. Dépêche-toi. Ouais. Je vais pas tenir longtemps. Ok, bon, c'est bon, je vois, donc ok, je voulais juste vérifier. Mais ok. Allez, let's go. On repousse. Tac. Et tac. C'est bon, Jonah. Tu peux lâcher. Et voilà. On peut traverser. Comment ça peut remonter comme ça, ça? Je vais pas poser de questions. Excusez-moi, je vais pas poser de questions sur le comment de la mécanique de ce machin. On va juste le traverser, ça ira très bien. Je crois qu'on va devoir passer par là. Après toi. C'est quoi, c'est une stèle? C'est quoi? On dirait une sorte d'autel ou bien... Aide-moi, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est... une recette. Ça ressemble à un mélange d'herbes pour mieux se concentrer. Ça pourrait être utile si on croise d'autres jaguars. J'espère que non. La sortie est par ici. Œil de l'aigle. Maintenez L1, appuyez sur triangle pour utiliser des plantes de perception. Perception permet de détecter les proies et les ressources naturelles dans l'environnement. Mais... ça, je passe pas à côté, ça. Alors, je le ferai bien là, mais je me doute que il y a des endroits plus intéressants. C'est pas ce que je voulais faire. Des endroits plus intéressants où l'utiliser, parce que là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Quoique, j'en ai combien? J'en ai 23. Allez, go. Voilà. Permettre de la rate de détecter les animaux, les ressources naturelles dans l'environnement. Excuse-moi, petit lapin, il me faut de la peau. C'est pas le même genre de ruine qu'au Mexique. Bon, bah en fait, il y en avait un peu là. Donc voilà. Désolé, petit lapin. Les carnets de ton père disent quelque chose sur le Pérou? Non, mais bon, la cité d'or secrète est censée se trouver au Pérou. T'es où, petit Paquiti. Lapin? Tous les chasseurs de trésors du monde ont tenté de la trouver. Mais ses notes s'arrêtent au Mexique. Ah, comme s'il avait changé d'avis ou... je sais de pas. La peau, là il y avait des trucs aussi. Là il y a du bois. Ok, c'est par là-bas, mais on va pas y aller de suite, bien évidemment. C'est quoi déjà? Défi tombeau. Ah. Chasser le cœur du serpent. À la montagne à couronne d'argent. Pièce de pistolet. Je ne sais alors pas le tombeau. Armes, elles étaient fixées. Non, je m'en fous. Je veux la carte. Le tombeau serait ici, à ma gauche. À ma gauche. Il serait là du coup. J'ai trouvé quelque chose, un moyen d'entrer. Si c'est pas la civilisation, je vais attendre près du feu. Le truc où toute personne normalement constituée n'irait jamais. Bon, bah écoutez, ça va partir sur un petit tombeau du coup, j'imagine. Hein. On est bien d'accord, hein? Ouais, ça doit être ça. J'imagine, j'espère. Zone inconnue, défi tombeau. Ok, voilà, très bien. Très bien, très bien. Et passe en dessous. Tac, toi, donne-moi ton loot. Alors là, je peux monter. Là, il y a quoi? Ouais, donc on va pas aller là. Dans l'idée, on va pas aller là-dedans.
Tac. D'accord, j'ai appuyé, mais peut-être un peu tard. Peut-être un peu tard, écoutez, c'est pas bien grave. En fait, j'ai l'impression qu'on se fait au moins une mort par épisode. Depuis l'épisode 2, ça arrête pas. Sans déconner, ça arrête pas. C'est un truc de fou. Bon, du coup, on disait... je peux le... Ah non, c'est quand même compté comme looté. Bon, ça, c'est cool. Tac. Tac. Voilà. Donc, j'avais dû appuyer un peu trop tard, j'imagine. Tac. Ok. Tut. T'es pas vu, toi? On me la fait pas, hein. Je me suis fait niquer une fois, c'est bon, c'est fini. Alors, je vais évidemment pas dire ça, hein, parce qu'on sait très bien que je vais m'en rebouffer d'autres, des pièges. Ok, il y a juste une cage de survie, ici. Je dois grimper pour passer de l'autre côté. Oui, non mais Jacqueline, c'est bon, laisse-moi tranquille. Laisse-moi fouiller un peu. Ok, là, va pas falloir se rater son saut. Hop là. Ah, la petite descente en rappel. Quoique, avant. Bon, y a rien en haut. Non, y a rien. Allez. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire le mouvement de balancier. Tac. Et tac. On se rapproche de la... Non, laissez-moi tranquille. Non, je veux la carte. Voilà. Oui, on se rapproche de la... De la cache. Il ne devrait pas être dans le... Pas loin. Cet engrenage date du début du 20e siècle. C'est un engrenage? Quel engrenage? Où c'est un engrenage? D'accord. Je vais pas poser de questions. Est-ce que du coup c'était ça? Allez. C'était pas ça. Par contre, il y a un peu de loot. Ça fait toujours de l'XP. Du tissu, ça c'est cool. Du coup, il va me manquer de la peau et des trucs d'aigle. On peut pas péter les caisses tant qu'on est là. Non, on peut pas péter les caisses. Ok. Techniquement droit devant. Ouais non. Voilà, ça me paraît mieux ça. Ça me paraît bien mieux que de sauter dans le vide. Ouais, là j'avoue j'ai eu un peu peur. Ok. Oh, un feu de camp, nice. C'est très très bon ça. Bon, il y a un passage ici. Ok, il y a la caméra qui a fait un genre un zoom chelou. J'étais en mode... Ça sent le piège ou c'est moi? Bon, attendez, du coup, la cache, elle serait où? Elle serait par là? Techniquement, elle est droit devant moi. Elle est droit devant moi, comme un mur, quoi. Mhm. Bon. Bah écoutez, voilà. Normalement, j'ai un petit point de compétence, il me semble, non? Ouais, voilà, j'ai du petit point de compétence. J'en ai... Bah j'en ai un. Et, c'est quoi, ça? L'œil de l'aigle... Ah oui, c'est le trou de perception. D'accord, donc ça se met comme ça... j'ai pas assez pour ça, par contre j'ai pu voir un truc, voilà, j'ai vu ce point là qui m'intéresse, qui permet de récupérer, augmente les chances de récupérer les flèches en fouillant les ennemis et les animaux que j'ai tués avec l'arc. Du coup il faudrait que je passe par là, je pense.
Ou alors, ah, attendez, attends, je vois un truc. Ah, d'accord, donc on a débloqué l'œil de l'aigle en avançant dans le jeu, mais par contre, le level 2, on peut l'acheter avec des points de compétence. D'accord. Ok, d'accord. Ouais. Ça, c'est quoi déjà? Réduit les bruits. Ah oui, ça réduit les bruits, ça peut être pas mal. Tac. Voilà. Et du coup, je vais juste vérifier rapidement pour la cape. Il me manque. Voilà, il me manque une truc d'aigle. Donc, on verra bien. Ah, d'ailleurs, on sait ce que ça fait. Durée de perception. Augmente la durée des effets des plantes de perception. Requiert la compétence œil de l'aigle. Oui, bah, du coup, on l'a. Trois améliorations faisables. Ouais, sauf que du coup, je vais pas les faire. Quoique, celle-là, je peux. Ouais, celle-là, je peux la faire. En fait, c'est en fonction des ressources, hein, clairement, que je dis que je peux ou pas les faire. Ça me consomme rien que dont j'ai besoin. Si, ça, par contre, ça, je vais pas la faire pour l'instant. Ça me demande des pots. Et j'en aurai pas assez, quoique. Après, sa durée de maintien, j'avoue, qu'est-ce que je m'en fous un peu de combien de temps je peux tenir ma flèche. Je veux pas me la jouer sniper non plus, hein, mais bon, voilà. Bon, bah, du coup, par là. Il y a quelqu'un? Ouais. Mais encore. Ok, j'ai eu une peau. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que... Ah oui, j'avais bien vu les... Ouais, les planches sont bien allumées. C'est bien ce que j'avais vu. Bah, je veux bien, mais... Par là, peut-être? What? C'est quoi, ça? Oh, ça fait un truc tellement chelou. J'avoue que c'est classe. Très très classe. Ouais, c'est les planches là que j'ai vu briller. Il faut les ouvrir avec carré, d'accord. Tac, alors est-ce qu'on monte? Quand même aller voir. Non, non, on peut pas monter. Ok, bon ben rappel du coup. Petit rappel. Eh, faut pas te laisser tomber comme ça, Jacqueline, hein. Fais pas ça, arrête, hein. J'ai vraiment cru que je m'étais raté pour le coup. Alors ça, on va ouvrir. Ça fait un passage. Allez, meurs. Meurs la porte, je dis. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a rien, mais y a, là, il y a un je truc crois qui que c'est monte. la sortie. Ouais, alors si c'est la sortie, je vais quand même juste aller voir histoire d'eux, mais je vais pas descendre en fait. Ouais, c'est pour ressortir. Donc on ira là après. Moi je vais aller voir ce qu'il y a là-bas au fond du coup. Non, non, t'as pas besoin de te mettre en rappel. Tac. Parfois, il y a des petits problèmes de caméra, je trouve. Hein, Il y a quelques plans de caméra qui sont pas ouf. Surtout quand on descend d'un. Oh, tac. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? De l'or! Tu veux. Tiens! Quoi, il y a que ça? Bah du coup... Cette cache! Je la veux! Je veux cette cache, elle est où? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen... Si, là, il y a moyen de monter, là.
Le pieu les grappins, c'est-à-dire. Ah d'accord. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Plein de loot. Excusez-moi monsieur, je fouille votre poche. La poudre noire. Explosif improvisé. Oh. Ça c'est intéressant. Bah voilà. Ah, je suis plein entre deux condors. Mais moi il me faut des aigles. Allez, là il y a encore un truc. Cyprès du 8, le journal d'un explorateur. Bon bah c'est pas mal là. Là c'est fouillé. Enfin là j'ai envie de dire même c'est pillé. C'est... Ouais c'est bon. Tac. Tac. Et maintenant on se casse. Des fois les sauts sont un peu... approximatifs on dira. Ça doit être la sortie. Tac, et du coup, on se casse. Allez, go. Tac. Tac. Je peux sortir du tombeau par ici. Et voilà. Wouhi ! Wouhi ! Avant de... Ouais, non, y'a rien. Y'a rien. Va tête, tête, tête. Ah non, c'était ça. Ouh. Ah non, c'est oui, c'est pour descendre. Après, de loin, je crois que c'était un coffre. Non. Oui, voilà. Yahoo. Ok, et du coup, on revient où, là? Eh bien. Et on revient juste là. Ok. Bon, bah ça, c'est fait. Un petit tombeau supplémentaire, écoutez, moi ça me... moi je dis pas non. Et du coup il est bien fait, genre comme il faut. Et il est toujours allumé là. Est-ce que l'autre était allumé quand je l'avais fait? Non, c'est pas celui-là que j'avais fait. Si, c'était celui-là. Non, c'était pas ça. Non, c'était la crypte. Ah oui, elle est grisée la crypte. Du coup... J'ai peut-être raté un truc. Bon, on va voir. En ressortant du truc, on va voir si ça dit quelque chose ou pas. Et au pire des cas, bah, c'est pas bien grave. Allez, on se casse. Après, ça dit, je trouve étrange qu'ils aient mis un feu de camp dans un tombeau, puisqu'au final, un feu de camp, quand... enfin, un tombeau, quand t'as fini, t'es pas censé te re-tépé dedans. Après, pourquoi pas. Faut voir. T'as trouvé quelque chose? Des racines et des ruines. À proximité, explorer le... ressortir. C'est parti. Bah. Ah oui, donc il est pas fini. Étrange. Du coup, ouais, là, il me manque... il me faut au moins 4 pots pour pouvoir faire ça. Donc, il faut que je garde 4 pots. Et là, qu'est-ce que c'est que ça demande? Ça demande 2 pots. Bah, écoutez, on va le faire. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et voilà. Comment on saura qu'on... Et au moins, il me reste juste assez de pots pour faire la cape quand j'aurai un truc d'aigle. Bon bah, une peau supplémentaire. Tout est plein. Je peux plus rien. Je suis full. Ce qui veut dire qu'on va faire tac et tac juste pour voir si on voit des choses. Est-ce qu'on voit des choses? Ça doit être un lapin. Ouais, c'est des lapins. Je crois qu'on peut partir par là. Là-bas, il y a des choses. Oui. Jonah, donne-moi un coup de main. Ouais. Pour que faire? Bah, en vrai, vous shootez dans les branches. Un. Mais pour... Mais...
Mais vous êtes complètement con. Pourquoi vous voulez soulever le truc alors que vous pouvez... Et on était quitte, on avait dit. On a dit on était quitte. Oh, la patate, mon gars. Bouffe-toi ça. Aïe. Ah, comme ça, on n'est pas quitte. Allez, tiens. Tiens. Comme ça, on n'est pas quitte. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Il est où? Tiens. Raté. Hop, 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 hop. Et ouais non j'ai pas de... What? Oh, tu bouilles. Bouffe. Non mais... Ça t'apprendra. Instinct de survie. Ça va aller. Je veux bien que tu m'aides. Oh, mon débardeur. J'ai un trou dans le dos. Je suis plus étanche du dos. Ton dos est salement amoché. Vengeance. Je vais préparer le campement. On se fait une petite laine apparemment. Laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est pas joli. Oui, bah mets pas tes doigts dedans, Michel. Tu sais, avec tout ce qu'on traverse en ce moment, je pense à mon frère. J'ai toujours essayé de le protéger. De mon père. De lui-même. Mais je l'ai perdu. T'as fait ce que t'as pu. Si j'avais été au bon endroit, au bon moment, il serait encore là. Si j'avais eu des yeux derrière la tête. Tu peux pas protéger tout le monde. Et c'est toi qui dis ça? Merci. Il me manque. Je sais. Mes parents, ils me manquent tellement. J'ai rêvé de ma mère il n'y a pas longtemps. Ah oui. C'était tellement réaliste. Quand j'étais petite, mon père n'arrêtait pas de me cacher des choses. Des secrets. Sur elle, notamment. Pourquoi il faisait ça? Après la mort de ma mère, il a cherché à m'épargner. Ça m'a jamais empêché d'être curieuse, bien sûr. Ouais. J'ai encore tellement de questions. Ton père a créé autant de mystères qu'il en a résolu.
Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent d'Ishel pour refaire le monde. Si toi, tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi? Je paniquerais déjà. Tu reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver? Et perdre tout le reste. Non, non. J'aime bien ce monde, c'est... Il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. C'est un magnon. Bon, du coup, est-ce que je vais avoir une chemise léopard? Pour prétendre au trésor, l'aventurière Lara Croft doit triompher du roi, atteindre la tombe interdite et résoudre le mystère de la Reine Blanche. Mais la route sera semée d'embûches. Lara, ça avance tes exercices de maths? L'aventurière ne doit pas traîner une seconde. J'ai presque fini. L'aventurière courageuse. Oh, le manoir des Croft. Eh bien, on verra ce qui se cache derrière ce manoir, derrière les murs de ce manoir, dans le prochain épisode. J'espère en tout cas que celui d'aujourd'hui vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, et que la funk soit avec vous les amis. Ciao, ciao.